Salut à toutes et à tous, ici Dixon 91 en compagnie de Clémentinos. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour une map, la deuxième fois, du nom de Fantasial. Et cette fois-ci on est dans la bonne version parce que normalement cette map est en 1.7.10. Et nous on l'avait fait en quelle version? On l'avait fait en 1.8, ce qui causait des bugs. Et on l'avait essayé en 1.7.2 vu que Ragecraft ça fonctionne bien sur 1.7.2 vu que c'est une map 1.7.2. Et ça ne marche pas non plus vu que les dialogues des PNJ ne fonctionnent pas. Donc on a testé en 1.7.10, qui nous a fallu 2 jours pour trouver ça. Ouais. Parce que maintenant Crab Kit n'existe plus en 1.7.10. Et on va lire le chat. Hein. Bienvenue sur dans le royaume de Fantasial, réalisé par Insane Addict, Tease. No Craft et Guadsan de l'Intuitive Team. C'est une belle aventure dans un univers fantaisique. Nous vous souhaitons bon jeu et amusez-vous bien. Attends, une question, est-ce que sur les feuilles il n'y a pas marqué un truc? Si, make sure you have open file to get connected. Hein? C'est parce que il faut patcher le texture pack, je crois. Non, il faut avoir un quoi. Il faut mettre un opti Define. Ouais, Optifine. Mais j'ai pas envie. C'est pas cher. Mais avant, il fallait patcher les texture packs comme ça. On s'en fout. On lance. Votre game mode est passé en mode en aventure. Les mods ne peuvent pas détruire les blocs, les mobs. Tout au long de l'aventure, si vous mourrez, vous garderez votre inventaire intact. Votre inventaire a été nettoyé. Vas-y, tu fais le dialogue des trucs ou pas? Ah bonjour, comment allez-vous? Je vous ai trouvé hier, pas loin de... Oula, notre village, vous avez l'air en mal en point. Vous avez sans doute été en contact avec le virus. En effet, nous sommes victimes de Zorian, un homme terrible qui utilise ses pouvoirs pour s'emparer de notre royaume. Il a semé un virus mortel s'il n'est pas traité dans les heures qui suivent, ou si vous ne portez pas une armure spéciale. Allez donc voir notre forgeron et lui demander s'il y en a en réserve. Ah, et une dernière chose. Nous fonctionnons par un système de clés pour une question de sécurité. Je vous en donne donc une. Ne la perdez pas. Et puis, si vous vous aventurez en dehors de ma maison, prenez les quelques armes à l'entrée. Elles ne sont pas toutes jeunes, mais ça pourrait servir. Je mange un arlequin si vous entendez des bruits de cognement dedans. Bravo! En plus, on entend fort. On entend fort. On entend bien mais... elle est où la clé? J'ai sûr pas que mon fera toujours rire. Il avait pas dit qu'il y avait une clé? C'est toi qui as la clé? Ouais, j'ai la clé parce qu'on l'a récupéré là-haut. Ah merde, j'ai pris les carottes. Attends. Alors moi je partage tout mais lui il prend tout. Non mais... Voilà. Attends, c'est des patates cuites? Non, des patates tout court. Mais prends toutes les pastèques, hein, j'en ai 8. Ah. Et la carotte, bon, je prends la carotte. Ah non, c'est bon, il y a un petit bug. Il y avait un coffre, il voit. Ah non, c'est le coffre en pierre. Ah, je crois que c'est un. Ah oui, c'est bien un zombie, oui. Et sur le pack, j'ai du mal à m'y faire. Hein. Moi aussi. Donc, on se retrouve sur une map. Putain, ça fait deuxième fois. Sûr. Donc. On l'a déjà fait déjà, donc on va quand même un tout petit peu les maisons, mais on va quand même fouiller toutes les maisons. Donc on se sépare ou... Comme tu veux. Bah non, on va rester ensemble. Il y a trop de maisons à voir. Ah, ça monte par là, non? Ou c'est par là qu'on est arrivé? Ah non, on est descendu par là. Ah. J'ai déjà perdu. Ah oui, il y a les 3 coffres où il y a absolument que dalle. Là-haut, je crois qu'il y a... Il y a rien, je crois. Non. Il y a rien. En fait, dans ces maisons-là, il faut dire qu'il y a rien. Enfin, si, peut-être, des fois, il peut y avoir des choses. Hein. Attends, faut aussi respecter le chemin. Mais y'a pas de chemin qui descend. Je suis descendu, je peux pas remonter. Bon bah attends, je remonte. Hein.
Parce que Monsieur Dixon va faire le chemin par le chemin. Bah oui, il faut respecter. Mais là, t'allais où? Ah oui, d'accord. Bah, je te vois juste. Je suppose que là-haut, il n'y a pas de coffre. Déjà. Ben non, mais dans ces maisons-là, faut pas regarder. Mais qui te dit qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que c'est mon instinct de survie. Parce que à chaque fois, y a rien. Il y a trois coffres et après, voilà. Ah là, il y a de la bouffe là. Ah, j'ai trouvé des cookies. Faites du Côtelette, pain. pomme de terre. Y a pas une quête annexe? Si. Une petite annexe, c'est qu'il faut récupérer les fers dans les coffres. Un maximum. Un maximum de fers dans les coffres, ce sera une sorte de bonus. Pour je ne sais plus quoi exactement. Donc si on va fouiller toutes les maisons de A à Z. Zombie à ta gauche. On dirait j'ai une épée en fer, mais en fait c'est une épée en pierre. C'est de la merde. Alors, il n'y a Pas de pas de coffre. coffre. Oh là là là. J'aime bien les maisons, il n'y a rien, il n'y a pas de coffre. Donc, Sur ce, ouais. le pont. Imagine, quand on marche dessus, il explose. Tellement bien. Comme dans Ragecraft. On marche dans une maison. Attends, mais elle est où la porte? Là. Ah. Ah, mais elle est pas visible. Hein. Je me rappelle une fois, t'avais fait tout le tour. Moi, je l'avais trouvé direct. Mais bon, là, je l'ai pas trouvé direct. J'ai un fer. Ah, y a pas. Ah, si, voilà. Je me suis dit, il y avait. Oh, les cookies qu'il y a. Mais c'est trop bien. Oh. Et il prend tout. Mais tu sais que ça marche toujours le truc là, double clic et ça, tu prends tout Ouais, d'un coup. je sais, mais. Moi je fais moite-moite. Pas comme certains. Porte Voilà, tu as d'entrée. retrouvé un fer. Porte d'entrée. Et là, faut trouver le forgeron. Oui, là, faut trouver le forgeron, là. Tiens, je te laisse du saumon. En bas, il y a un coffre. Ah oui. Ouais, super, le second cuit. Cuit. Bon, par là, le chemin s'arrête. Donc par là, il monte. Non, c'est là, là, par là. Non, attends, on vient d'où là? Mais attends, mais on pouvait. Ah non, on vient de là, voilà, on vient de là, et faut aller, il faut monter. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, le sens de l'orientation n'est pas présent parmi nous. Non, pas du tout. Tout se ressemble. En même temps, avec ce texture pack, à chaque fois je clique sur le coffre du haut, mais je sais. Ah, mais non, mais ça sert à monter, y'a pas de coffre. Enfin, si, regarde quand même. Salut. Et voilà, j'ai cru voir un zombie. Je suis pas fou. Alors ça, la cabane du roi. Ah mais là on avait fouillé tous les coffres. Mais on va le refaire quand même. Hein. Je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a quelque chose. Après, il nous a même pas mis un petit fer, tu vois. On continue à aller dans la maison du haut là-bas. On fouille toutes les maisons du haut. Ah oui. Yep. Et voilà, ferme la porte. Oh, du poulet. Oh, du Et pain. rien. Oh, des carottes. Oh, des patates cuites. Rien du tout. Maintenant, si on en manque, je vais partager. On va sous. Enfin, par où? On va par. Bah non, on vient de là. Mais non, on vient pas d'en bas, toi, on vient Non, d'ailleurs. mais bah non, on vient de. Bah voilà alors. Qui Oh, un a-t-il? coffre caché. De fer. Bah, je l'avais même pas vu. Est-ce qu'il y a des coffres cachés dans la nature? On me fait attaquer! C'est quoi ça? Je vois plein de trucs qui pètent. Mais viens m'aider! J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et t'es où?
J'ai pas goûté. Ah, mais t'es derrière la maison. C'est bon, j'ai pas besoin de ton aide. Genre, c'est des explosions, des. C'était le bordel. Oh là là, mais y'a pas de fer ou quoi? On parle des côtelettes là. Rien du tout. Oh, du fer! je sens dans la tête, il pète un câble, il fait même putain! Je trouve pas de fer! T'as combien? T'as 3 fers là? 5. 5? Mm-hmm. D'accord. Alors. T'es dans la maison du haut ou du bas? Du bas. Ah bah, y'a la maison, y'a le levier là. Pour le forgeron. J'ai le levier. Mais oh. Ah, je me suis agressé là. Là t'es allé où toi? Non, je suis monté là-haut pour voir. T'es perdu. Je suis parti dans la maison d'en haut. Mais y'a rien. Ah mais j'ai été dedans. J'arrive pas à sortir. Salut. T'as été dans cette maison là? Ouais, j'étais dans tous. On a été dans toutes les maisons. Ok, ok. Bah j'ai eu un levier. On verra ce que à quoi ça va nous servir. On verra. Donc faut rebrousser chemin, c'est ça? Ah bah non. Non, par là, là y a des. Ça descend. Ah bah. Oh, y a une écurie. Oh, un fer. Et du blé. Et je pense qu'il y a encore du blé. Qui va nous servir à rien, je pense. Ouais, on va voir, ça a quelque chose derrière. Oh putain, le creeper de merde, il me fait peur avec leur culture, bouquin. Ah, mais ils font pas d'explosion. Putain, avec le texture, ça m'a fait peur. Y avait quoi dans le coffre? Y a un goût de fer, j'en ai 7. J'ai le cœur qui bat vite parce que j'ai eu peur. Ouais. Ah. On continue par là parce qu'on dirait qu'ici c'est la porte. Ouais. Ouais. Une maison. Ça a jamais été en celle-ci. Non, fouille en bas, fouille en haut. Non, en bas y'a rien. Pas du tout. Il faut jamais tout en haut, hein. Tout en haut? Ah, parce qu'il y a un tout en haut? Bah oui. Ah bon? J'ai même pas vu. Y'a pas un coffre caché dans le champ, là? Non, y'a pas de coffre caché dans le champ, non. On peut en récupérer. Ouais, mais... on a déjà plein de bouffe, hein. Alors, carottes. Je vais dans la maison qui se trouve en face, ok? Ok. Steak, poulet cuit. Et voilà. Y'a rien. Pas de fer, non. Ah ou. Je vois jamais de fer. Y'a une maison. Je n'ai pas eu un fer depuis le début. Tu es dans la maison du fond. Bah ouais, bah moi je suis. Je suis là. J'y suis. Regarde, ici il y a des échelles. Ah oui, j'avais pas fait attention. Il y a un coffre en général? Ah, c'est bien fait. Non, mais faut vérifier quand. Ah bah tiens, regarde, un fer. Ah d'accord. Je dis, mais putain! Ça se trouve, on a loupé, mais bon, c'est pas grave. C'est que facultatif. C'est là la sortie. Ah ouais. Attends, faut que je mange un bon steak. Par là. Bien cuit. Ouais, je te suis, je suis derrière. Non, je regarde, y'a pas de coffre. On est venu là? Non. Bon, ça me dit rien. Non, on laisse les portes ouvertes pour indiquer qu'on est passé par là. Oh! Tiens, je te laisse les sushis. Je veux pas les sushis. Oh. Un, deux fer. Non.
En plus, j'ai cliqué, ils étaient sur mon inventaire, ils ont disparu mon inventaire. Hein. C'est pas du bug. J'en ai 10. Je pense qu'il y en a 10 par map, hein. Ou peut-être plus, je sais pas. Tiens, viens, on passe par là pour aller pour prendre les maisons une par une. Je t'avais perdu. Ouais, je sais, je suis très furtif. Bon, tu prends la maison de droite, je prends la maison de gauche. Yep. Elle est où la porte d'entrée? Je trouve la porte, ouais. Ah, j'ai trouvé. Mais putain, mais c'est quoi cette... Ah, elle est là. Cookie. Je crois qu'on est déjà passé par là. Bon, là où il y a pas de coffre, c'est bon, j'en ai marre d'aller fouiller. Il n'y a pas de coffre. Enfin, si, il y a un coffre, mais il n'y avait que des cookies, quoi. On a dit qu'on laissait les portes ouvertes, hein. Ah, là, il y a une petite cabane, là. Avec un coffre. Et avec un fer. Et avec un mini-coffre. Okay. Bon. Ah, on a dit qu'on laissait... Je crois que je l'ai laissé. Et je vais faire tout le tour du lac. Vas-y, on peut. Ah, je crois que je suis chez le forgeron. Oh, il y a une petite cabane. Je suis chez le forgeron. Ouais, ouais, forgeron. Forge. Je t'attends. Ah, je te vois. Salut! Il y a un creeper derrière. Mais alors, c'est mon pote. Il est gentil, regarde. Ah, il est très gentil. Oui, ah, ouais. Bonjour, vous devez être le fameux rescapé d'hier soir. C'est lui qui a prévu de votre visite. Malheureusement, il ne reste plus que quelques casques. La récente armure a été emportée par des habitants des autres villages hier matin. Je pense que vous devriez vous aventurer hors du village pour essayer de trouver le restant de l'armure. Allez voir le garde de notre village près du portail et il vous laissera pour sortir. Bonne chance à vous et soyez prudent. Oh, encore une chose. Prenez les clés qui sont dans le coffre. C'est pour pouvoir parler au gardien. Il les perd souvent, donc j'en ai plein en rab. Prenons un casque. Prenons une épée. Oups, désolé. Tiens ton casque. Tiens ton casque. Une casse tout. Et voilà. Ouais, je referme mon stuff parce que c'est le bordel. C'est le bordel. Je vais mettre la nourriture la plus importante au moins important. Voilà. Continuons. Non! Non, je m'en fous qu'il crève. Non, mais il y a un bouton au-dessus. Hein. Je sais. Et voilà. Oui. Deux petites secondes. Donc il a dit qu'il fallait retourner. La porte d'entrée, c'est ça? Ouais. C'est où on était. Bah oui, c'est ça. Go! Oh, l'XP là-bas. Ça veut faire un petit bruit là? Si, mais. Non. Ah, d'accord, bon, c'était peut-être sur mon ordi. Retournons à la porte d'entrée, soldat. Attaque! Comme ça, on va plus avoir ce bug. Et à partir de la porte d'entrée, on va vraiment absolument rien connaître. Normalement. Ah, vous avez le doute, hein. Ah, vous vous demandez si on l'a fait? Bah non, en fait. Bah non. On a fait chaud au début. Mais quelques... Ah, tu connais bien, toi? Bah, après, c'est pas très dur non plus d'avoir quelque chose. Bah moi je suis fort en fin de sens d'orientation. Alors, gardien. Bonjour, je sais si t'as vu ce qui se passe ici. Voilà, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire pour aider ces pauvres gens. Vous voulez sans doute passer. Je suis vraiment désolé, j'ai perdu ma clé hier. Sûrement en faisant un tour de ronde dans notre village. J'ai dû poser des clés. Ah mais il parle trop là. Je suis posé les clés, ma soupir, mais je ne sais plus dans quelle maison. Allez fouiller les maisons et revenez me voir. Ah, et j'oubliais. Si jamais vous trouvez des affaires quelconques, comme du fer par exemple,
Prenez-les, vous en aurez besoin pour faire une offrande au temple du royaume. Enfin, si vous arrivez en vie, jusqu'à là-haut. Vous pouvez faire jusqu'à 70 offrandes, alors n'hésitez pas à explorer le royaume. Bon, vu que nous on a déjà la clé, on va pas la chercher, hein, on va la mettre directement. Et puis, avant qu'on mette la clé Ah, sur vous nous. revoilà. Ah. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé la clé. En attendant, ne partez pas si vite. Je vous confie ma fée. C'est une fée spéciale, seuls les habitants du village peuvent les voir. Les autres peuvent seulement l'entendre. Elle vous sera utile pour votre périple. Le royaume n'a aucun secret pour elle. Prenez-en soin. Et toi, ma fée, prends soin d'eux et ne fais pas trop de bêtises. Moi, je veux imiter Volo. Je veux Vas-y, fée imiter Volo. Wello. Oh, ne l'écoutez pas, il divague un peu, il n'a plus toute sa tête, et en plus, les fées ne font jamais de bêtises. Ah non, Jean. À plus tard, et veille bien sur notre village. Au fait, on ne s'est pas présenté, moi c'est Vélo. Et vous? Et je m'appelle Arrobase A, enchanté de faire ta connaissance, même si on ne te voit pas. C'est tout, non? Bah ouais, c'est tout. Attends, je vais mettre la clef. Vas-y. Ah oui, c'est moi qui ai la clef. C'est parti! Disparition! Je me dis qu'on prend pas la clé, on la laisse ici. Hein. Non, on la laisse. Oui. Donc Willow, ça va être une petite fille qui va nous suivre. À partir de là, on ne connaît plus rien. On ne connaît absolument rien. Et puis voilà. Même le mur qui s'est cassé, on savait pas qu'il se passait comme ça. C'est parti. On va à droite ou à gauche? Je sais pas, on va aller à gauche, allez. Et voilà, il y a des creepers qui nous attaquent. D'accord. Super! Alors je suis sûr qu'il y a des coffres cachés quelque part, ça c'est obligé. Ah, d'accord, ça nous mène Trouver. bon. Oh, de la bouffe. Alors bah tiens. Attendez, j'ai aperçu quelque chose par ici. Sans doute un coffre. Peut-être que vous avez. Oui, allez jeter un coup d'œil. Tu mets bien l'effet ou pas? Ouais, tu fais très très bien. Oh, un autre coffre. On dirait une vraie fille. Il y avait quoi dedans? Il y a plein de trucs intéressants là. Il y avait juste à manger. Je regarde à répondre à la vidéo là. C'est bon, on est en train de tourner en haut. Attendez, j'ai aperçu quelque chose par ici, sans doute. Un coffre, peut-être que vous devriez jeter un coup d'œil. Et elle se répète pas trop cette fée? Si, mais bon, ça mon avis, c'est quand on passe sur un endroit, on a dû passer deux fois. Un coffre, je te laisse le fouiller. Il y a un coffre aussi là. Bah, je crois que il y a que de la bouffe. Oh, de la chair putréfiée. De là-bas. Oh, il y a un coffre là-bas. Putréfiée. Il y avait quoi dedans? Non, mais je suis allé dans l'eau, parce qu'il y a un coffre au fond. Attends, où t'as vu le coffre toi? Donc, je veux pas de coffre hein, là. Hein. Au fond là-bas, je vois un coffre, je suis pas fou. Oh, t'as des yeux de lynx, hein. S'il renferme de la bouche, je pète un câble. Non, c'est bon. Est-ce que je peux remonter là-bas? Et il y avait quoi dedans? Un fer. Que des fers. D'accord. Mais dans les coffres, c'est que de la bouffe. Moi, je cherche un mot. Au moins, on sera pas en pénurie de bouffe. Contrairement à Ragecraft. Bah, lui, il meurt. D'accord, il m'a cramé, lui. Mais attends, tu passes par où là? Tu fais tout le tour là? Je sais, mais j'essaie de revenir dans le chemin. Oh, un coffre! Eh mais je l'ai même pas vu, moi. J'ai des yeux lynx, de lynx. Ah ouais. Son jigsaw, il a fait son double. Hein? Non, rien.
Je dis, ça se trouve, Jixon il a fait sans nous la map. Non. Non, vraiment non. Je suis pas un gars comme ça. Normalement. Checkpoint to the Nexus. Et je pense que on va terminer l'épisode sur ce checkpoint. Non. Non, je rigole. On va dormir pour faire le checkpoint. Celui est occupé. Mmh. Ah, dommage, je voulais dormir avec toi. Ah bah elle a dit 4 fois au moins, attendez, regardez, c'est dans le coffre, machin. Et toi, tu remets la nuit, toi, t'es intelligent, toi. Ah merde. Ah, une nuit, jour, d'accord. Ah mais ouais, c'est vrai, faut t'as 2 pour passer la nuit. Bah j'étais en train de dormir. Ouais, c'est ça. Ah oui, toi tu dormais pas, toi. Non. Ah bravo, bravo. Je comprenais bravo pas. L'intelligence, hein. Ah. Bon. On arrête ici. Ouais. Mais putain, mais. Ah merde, il y a encore. Ah, c'est une plaque. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai toujours dessus, moi. Putain, t'as un triseau, mais. Le double fail. Non, ça, mais je sais pas que c'est une plaque, en fait. Tu vois, je me suis dit, c'est comment j'ai fait pour activer. Et pourquoi ils ont mis des plaques aussi, hein, pourquoi? Et voilà, c'était l'épisode 1 de Fantasia, et j'étais avec lui. Clémentis Spartacus. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao tout le monde.